Eh bien bonjour et bienvenue sur LVDM. Voilà, vous êtes décidé, vous voulez vous lancer dans Star Citizen, vous faites le grand pas. Allez, c'est parti, je vous fais voir. Déjà, vous vous rendez sur la page Robert Space Industries et vous allez pouvoir télécharger donc le fameux launcher qui va vous permettre de lancer le jeu et de télécharger le jeu par lui-même. Ensuite, on va vous apprendre à jouer. Moi, je vais vous faire voir tout ça. N'oubliez pas lors de votre inscription, si vous souhaitez, de mettre mon code de parrainage. Que vous voyez à l'écran, je vous mettrai le lien en dessous en description. Ça va vous permettre de gagner un peu plus d'argent pour démarrer et moi bah, j'en recevrai un petit cadeau. Hein, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense de la vidéo, comme on dit. Au niveau des choix du pack, alors vous allez après dans le store en haut et vous avez donc toujours deux propositions. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir la page et de voir tous les packs de démarrage qu'il y a. Voilà, à partir du moment où c'est marqué pack. Un starter pack ou pack de démarrage, c'est ce qu'il faut investir au minimum dans le jeu pour pouvoir démarrer. Hein, c'est le seul investissement, je précise bien, c'est le seul investissement que vous avez besoin de faire pour avoir un vaisseau et le droit de jouer à l'alpha et tous les autres vaisseaux, vous pourrez les acheter in-game. Alors actuellement, il y a deux packs intéressants en haut à gauche avec le nomade. Il y a une tenue, il y a moins 20% dessus. Sinon, moi je vous conseille donc le nomade, l'Avenger Titan ou le C8 P6. Voilà. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vous mets le lien aussi de notre site internet où vous pouvez mettre Star Citizen en français. Donc vous avez le lien de téléchargement comme vous voyez à l'écran. Vous cliquez dessus, vous le téléchargez. Bon, moi je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Une fois qu'il est fait, vous l'ouvrez. Voilà, VDM Mint. Et une fois qu'il est ouvert, vous avez un petit fichier exe, trad.fr. Vous le lancez et vous avez le launcher. Là, vous avez juste à sélectionner le dossier de destination. Donc là, vous avez des liens aussi directement pour aller soit sur notre Discord, soit sur notre Twitch ou sur notre YouTube ou l'Instagram, hein, de LVDM. Une fois que, donc, en destination, vous allez dans Programme, Robert Space Industry, Star Citizen. Et vous choisissez, enfin vous l'ouvrez pas, mais vous cliquez une seule fois dessus sur live. D'accord? Donc le live, c'est pour jouer normalement. Et le PTU, comme vous voyez à l'écran, c'est un serveur test quand on a les versions comment dire, futures qu'on doit tester. Là, je vais vous faire voir par exemple avec le PTU, voir s'il est à jour. Il va regarder, il va me dire. Là, il n'est pas à jour, il y a une mise à jour qui est disponible. Voulez-vous la mettre à jour? Oui. Et ça y est, c'est mis à jour automatiquement. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Allez, on est parti. On a téléchargé le launcher, on a téléchargé le jeu. On va passer maintenant à l'action. On va sélectionner donc le système Stanton et on va démarrer. Alors, vous avez quatre villes de démarrage. Moi, je vais démarrer à New Babbage. Le serveur, bah, je prends un serveur Europe et je lance la partie. Alors je vais vite parce que la vidéo elle est longue et je vais vous faire voir le tutoriel de démarrage, comment bien démarrer avec les nouvelles fonctionnalités sur la 3.24 et une première mission pour vous lancer, pour mettre le pied dedans directement et comme ça après ça vous laissera le temps de vous exercer. Alors en haut à droite il marque vérifier votre journal. Alors pour sortir du lit vous appuyez sur F ou sur les touches de déplacement, hein, le ZSQD comme vous voulez et ça vous sort du lit automatiquement. Voilà à quoi vous ressemblez quand vous sortez du lit. Un petit nouveau-né dans Star Citizen. Donc moi c'est mon compte tuto, hein. Vous allez voir, il y a des choses que je vais enlever, je vais essayer d'enlever pour qu'on démarre de la même manière. Mais je peux pas tout supprimer. Donc là, il me dit d'aller voir dans mon journal. Donc j'appuie sur F1, ce qui m'ouvre ma MobiGlass. Et là, je vais aller dans contrat. Donc là, je ne sais pas ce que c'est ça. Dans contrat, voilà. Tutoriel, les premiers pas. Et ils nous disent ce qu'il faut faire au fur et à mesure. Donc là, on a ouvert la mobile glace, on a quitté le lit. Maintenant, il veut qu'on mange et qu'on boive. Et qu'on boive. Donc, ici, on a une bouteille d'eau. J'appuie sur l'action F. J'appuie sur le clic gauche et je bois. En bas. À gauche, vous voyez ma courbe d'eau là augmente. Voilà, de 75%, j'arrive à 100%. C'est bon, je suis hydraté.
Bon, il a acheté la bouteille, c'est pour dégueulasse, mais c'est pas moi qui l'a fait. Le sandwich, on l'appuie sur F, pareil, on le récupère, on clique gauche et on mange le sandwich. Et la barre de nourriture monte en bas à gauche. Ensuite, il me demande d'équiper mon casque. Donc là, on a une roue, donc vous restez appuyé sur F. Et ça vous permet de tourner, donc attacher, équiper, prendre. Donc là, vous sélectionnez équiper et il met automatiquement le casque sur la tête. Voilà, un petit tour dans la cuisine pour voir les détails. Vous allez voir, c'est joli comme tout. On a le droit à le petit café, des petits biscuits, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il nous dit d'après d'ouvrir la porte et de sortir de l'habitation. Donc pareil, action F. Et on sort dans le couloir de l'hôtel. Et vous avez la vue sur New Babbage et le Spaceport qui est tout au bout là-bas, au fond, dans les montagnes. Et nous allons y aller. Voilà, vous avez des indicateurs jaunes qui vous disent où aller. Donc vous avez juste à suivre. Pareil, vous avez l'ascenseur, l'action F pour l'appeler. Donc Star Citizen, c'est un MMO, bac à sable, d'accord. L'aventure que vous allez vivre dans ce jeu, c'est vous qui la créez. Vous avez des missions pour vous animer le gameplay, mais après, tout ce que vous allez créer, c'est vous qui le faites. C'est vous qui créez votre propre histoire. Alors, vous pouvez la faire en solo ou vous pouvez le faire en multijoueur. Hein, les deux personnes que vous venez voir sortir de l'ascenseur, ce sont des joueurs. C'est ça, New Babbage, ils sont toujours en train de courir. Alors, au niveau du déplacement, là, je me suis mis en vue extérieure, F4. Avec la moulette souris, en appuyant sur la touche Z, hein, vous pouvez varier la vitesse du personnage. Et en appuyant sur Shift, vous pouvez sprinter. Donc, molette souris pour accélérer et sprint avec le Shift. Bonjour monsieur, excusez-moi. Là, il nous demande de regarder le panneau d'affichage pour se situer. Donc, on va y aller. Bonjour madame, excusez-moi. Voilà, vue extérieure. Madame, excusez-moi, mais on se connaît pas encore. On pourrait peut-être faire les présentations avant, non? Bon, trêve de plaisanterie. Donc ça, c'est fait. Eh ben, elle a un petit sourire, elle est contente. Donc voilà, je suis ici. Et après, qu'est-ce qu'il me demande? D'aller faire mes premiers achats. Alors, direction du Calco, on va aller là-bas. Vous avez des écrans et vous pouvez acheter divers équipements. Alors là, il n'y a pas tout. Dans tous les magasins, il n'y a pas tout. Hein. Il faut des fois se déplacer dans des stations pour trouver d'autres armes, d'autres armures, d'autres choses. Quoi. Alors, depuis la 3.24, là où nous nous trouvons, c'est ce qu'on appelle notre ville de démarrage. Notre ville de démarrage, on a le hangar qui est à nous, qui est personnel. C'est ce qu'on appelle le hangar persistant. Et dans ce hangar persistant, vous avez possibilité de le décorer et ça restera, d'accord. Par contre, dans tout ce qui est autre ville, autre station dans l'espace, ne faites aucune décoration parce que ce sont des hangars instanciés. C'est-à-dire qu'ils sont là juste pour vous faire sortir avec votre vaisseau et après ils disparaissent. Donc si vous mettez de la décoration sur des hangars instanciés, la décoration disparaîtra. Une fois que vous avez acheté, donc là j'ai pris deux bouteilles d'eau, une fois que vous avez acheté, le moyen de voir votre inventaire, c'est d'aller sur ces bornes qu'il y a par exemple à l'extérieur du magasin et vous allez retrouver tout votre inventaire. Là j'ai acheté des bouteilles d'eau parce que le personnage a soif hein, et donc je vais mettre deux bouteilles d'eau sur moi pour au cas où. Allez, maintenant il nous demande d'aller au terminal, au Spaceport pour récupérer notre vaisseau. Donc on va suivre les flèches jaunes. Donc tout est indiqué. Regardez bien les panneaux. Hein, là à droite par exemple, je vais au command et au truc d'expo. Et à gauche au Spaceport, vous voyez. C'est même indiqué en haut, Spaceport. Donc il suffit de suivre les panneaux et regardez bien autour de vous. Quoi. Restez pas tête baissée, regardez bien autour de vous. Bonjour madame. Allez. On va se diriger vers le Spaceport. Profitons un peu de la vue de la ville. Magnifique. Plus il fait jour, ça tombe bien. Donc on va en profiter. Voilà, on arrive au Spaceport. On sort du tramway. Et on suit donc les panneaux, pareil, exit. Pour quitter le tram. Là, vous allez arriver dans une salle où vous avez des ascenseurs. Vous en avez 6. Hein, vous prenez n'importe lequel. Alors dans les ascenseurs, un conseil, évitez de courir. Parce qu'il suffit que quelqu'un d'autre entre en même temps que vous, il peut vous projeter contre les parois et ça peut vous faire passer à travers. Ça peut.
Donc, et rentrer dans les ascenseurs en marchant, c'est un conseil que je vous donne. Et surtout, vérifiez bien que quand l'ascenseur, les portes s'ouvrent, que l'ascenseur soit présent. Hein. Parce que des fois, ça arrive que l'ascenseur n'est pas là et vous passez à travers la map. Voilà, donc là, on suit les points jaunes. On va arriver au spaceport. Alors, pour être en vue extérieure, hein, je vous l'ai dit, F4, ça vous permet de voir extérieurement, et, enfin, votre personnage à l'extérieur, même votre vaisseau, hein, si vous êtes dedans. Et en restant appuyé sur la touche W, vous pouvez tourner autour de vous pour vous voir sous différents angles. Alors, une fois que vous arrivez au spaceport, vous avez donc les pupitres pour les vaisseaux, votre flotte. Alors, je comprends pas parce que normalement, j'ai pas ça comme vaisseau, mais bon, c'est pas grave. Normalement, j'ai un Titan Avenger. Voilà, donc là, je l'ai réclamé. Donc, pour la première fois, quand vous avez acheté un vaisseau, on va vous demander de le faire, de le rapatrier ici. D'accord? Et je vérifie parce que normalement, j'ai pas ça comme vaisseau. On va faire avec. Hein. Allez-y. Je vous l'ai dit, c'est une ville de sauvages ici. Aucun respect. Alors, on va sortir mon vaisseau. Il me donne un grand hangar pour un tout petit vaisseau. Ça va faire drôle. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est le genre de bug qui arrive. Voilà, les ascenseurs sont pas là, surtout passez pas à travers, parce que là vous faites un travers map. Et vérifiez bien quand les portes s'ouvrent que l'ascenseur soit présent. Alors, je rappelle, hein, Star Citizen est toujours en alpha, il est toujours en développement. Et en fin de compte, nous sommes des testeurs pour les développeurs. Hein, ils nous autorisent à jouer au jeu et eux ils récoltent des données en échange pour corriger les bugs au fur et à mesure du développement du jeu. Surtout que cette année, il y en a eu beaucoup, beaucoup de mise à jour, beaucoup de développement, beaucoup de choses nouvelles. Et forcément, bah, c'est tout ce qui est nouveau apporte des bugs. Et donc, au fur et à mesure, ils corrigent. Voilà, donc j'ai un petit Pisces. C'est pas mon vaisseau de démarrage, mais c'est pas grave. Le principe est le même. Vous avez une touche extérieure pour ouvrir la trappe. Alors, soit vous avez un chasseur, ça peut être sur le côté. Si vous avez un vaisseau avec une soute comme ça, c'est ce que je vous conseille hein, pour démarrer. Ça vous permet aussi. Bah déjà d'être comme dans une habitation, c'est-à-dire que vous pouvez enlever votre casque et vous hydrater dans votre vaisseau, vous pouvez transporter de la marchandise, donc ce type de vaisseau c'est pratique. Donc là on appuie sur U pour alimenter le vaisseau en énergie, on appuie sur I pour allumer les moteurs et on appuie sur Alt-N pour demander l'autorisation de décoller et l'ouverture des trappes qui sont au-dessus de nous. Voilà. J'appuie sur la barre espace pour me lever et je rentre mes trains d'atterrissage en appuyant sur la touche N. Donc là, F4 pour passer en vue extérieure, W pour tourner autour de mon vaisseau. Enfin, je reste appuyé sur W et je monte au fur et à mesure pour sortir du hangar. Voilà, bienvenue à New Babbage en vue extérieure. Et là, il nous dit piloter. En dehors du tutoriel Wave OK et suivre les points de contrôle. Voilà, il a changé. Impeccable. Donc vous avez différents points de contrôle qui sont devant vous. Le principe est simple, hein, c'est pour apprendre à naviguer. Donc n'allez pas trop vite. Hein, Z pour avancer, Q pour ralentir, Q et D pour gauche-droite et A et E pour le tangage. Alors, à gauche, vous avez donc une barre bleue qui vient de s'afficher. Ça, c'est le boost. En appuyant sur Shift. Ça vous permet d'accélérer et d'aller plus vite. Mais attention parce que la barre descend au fur et à mesure que vous appuyez sur le shift. Vous avez après sur sa droite une jauge de vitesse. D'accord? Devant vous, vous avez l'assiette avec l'inclinaison pour monter ou descendre et votre tangage. Et en bas à droite, là, le 1.780, là, c'est l'altitude. Donc là, on va se diriger sur les différents points. Un petit coup de boost. Voilà, on vient de le valider. Un nouveau point vient d'apparaître. Donc là, c'est les premières mains. Hein. C'est pour vraiment prendre en main votre vaisseau au départ. Et ce que je vous conseille, c'est après de faire beaucoup de missions que je vais vous faire voir à la fin pour vous exercer à naviguer et à voler. Magnifique vue sur New Babbage. En plus, il fait beau. On a de la chance. Belle vue sur les montagnes. C'est un jeu qui est magnifique. Hein, les décors ils sont splendides.
Là, c'est tout blanc, mais il y a des endroits, il y a de la plaine, il y a de la forêt, il y a des rivières, il y a des montagnes, il y a de la roche, enfin, il y a de tout, quoi. Là, on est sur une planète, vous allez voir, le vert, c'est les grands. Et bah, y a de quoi se régaler les yeux juste en se promenant avec un vaisseau. Vous mettez pas trop en altitude et vous profitez du paysage, c'est magnifique. Alors, on va suivre les différents points. On prend de l'altitude au fur et à mesure. Donc là, il nous dirige vers la station qui est au-dessus de New Babbage. La station, c'est Perth Hesley. C'est une station spatiale. On va voir au fur et à mesure qu'on va monter. On va la voir apparaître. On arrive sur le point de contrôle. Il y en a un autre à 13 km. Voilà, on commence à voir là. Voilà. Vous voyez la station qui est droit devant nous. Donc c'est là qu'il nous emmène. Alors pour faire un zoom de ce type-là, vous restez appuyé sur F. Et avec votre molette, vous faites un zoom. Ça vous permet, mais vous pouvez aussi pour le zoom, vous l'utilisez dans la cabine. Hein. Vous restez appuyé sur F, vous tournez la tête, enfin la souris, et ça vous permet aussi de voir tous vos instruments. Et avec le F appuyé et la molette souris, vous pouvez faire un zoom sur tous vos écrans. Et donc là, vous voyez, j'ai 4 boucliers qui sont enclenchés autour de mon vaisseau. Donc là, ça veut dire que je suis en mode normal. Mais à partir du moment, je pense que même là, je pourrais le faire, mais... pour le didacticiel, je suis obligé de passer par le point de contrôle. Mais après ce point de contrôle, on va passer ce qu'on appelle en mode navigation, c'est-à-dire qu'on va passer en mode quantum. Donc ça va nous effacer. Donc là, je donne un coup de boost. Hein, je peux voir l'écran. Bon, ça va nous effacer le fait de passer en mode quantum, en mode navigation. Ça va nous enlever les boucliers. On ne pourra plus utiliser nos armes. Et on pourra quantumer sur un point, c'est-à-dire en vitesse, pas lumière, mais presque, quoi. On fait un jump sur le point qu'on a ciblé pour aller beaucoup plus vite. Donc là, je regarde à l'écran la mission parce que le point, il n'a pas l'air de vouloir se déclencher. Donc là, il faut passer en mode quantum, comme je vous ai dit tout à l'heure, en mode navigation. Vous appuyez sur B. Vous restez appuyé sur B. Voilà. Et ça a déclenché tout de suite le didacticiel. Donc il y a un carré jaune qui s'est... Donc vous attendez que les deux jauges... Donc je vais l'éteindre et je vais le remettre. Voilà. Donc là j'ai rappuyé sur B, ça l'a éteint. Je rappuie sur B, ça va me remettre au mode navigation. Vous avez la jauge de calibrage qui se met en route. Et à partir de ce moment-là, vous restez appuyé sur clic gauche. Et le control drive s'est activé. Et ça vous a rapproché... directement à côté de la station. Donc là, vous êtes sans bouclier. Hein. Donc le fait de revenir en mode normal, donc vous rappuyez sur B, vous voyez qu'en bas sur l'écran, mes boucliers se sont rechargés autour de mon vaisseau. Donc faites attention quand vous êtes en mode navigation, parce que le moindre tir, tout de suite, votre vaisseau passe rouge et après, c'est l'explosion. Voilà, on va s'approcher de la station. On va faire notre demande d'atterrissage. Donc quand on est assez près, on fait un Alt N. Alt gauche N, et on demande à atterrir. Et là, il va nous attribuer un hangar. Donc les chevrons que vous voyez avec les immatriculations, ce sont des vaisseaux abandonnés. C'est des joueurs, soit ils se sont crashés, soit ils ont déconnecté à cet endroit-là avec leur vaisseau à l'extérieur. Et donc, on voit juste l'immatriculation. Si le vaisseau était occupé, on verrait le nom du joueur en dessous. Et si c'est un PNJ, non, en général, les noms en dessous, ils sont séparés d'un espace. Hein. Par exemple, Robert Paul. Robert, espace, Paul. Ça, c'est un PNJ. Les joueurs, tous les pseudos sont attachés. Comme moi, là, vous voyez, Berthier 833, il n'y a pas d'espace. Donc tout de suite, ça va vous permettre de différencier le vaisseau si c'est un joueur ou si c'est un PNJ. Donc voilà, j'ai fait ma demande. Il m'a attribué un hangar. Donc je m'approche en douceur hein, pour ne pas me cracher. Je vais me mettre en face. Je vais sortir mes trains d'atterrissage en appuyant sur N. Vous voyez, le symbole train clignote. Voilà, ils sont sortis. Vue extérieure, comme ça je vois mieux ce que je fais. F4 et contrôle pour redescendre. Voilà, je suis posé. À partir du moment où je suis posé, les portes derrière moi se referment. Je coupe mon moteur en appuyant sur I. Je coupe le contact en appuyant sur U. Et première chose, je vais aller dans service en faisant ma bobine glace F1 service. Et je vais faire le plein. Bon, là, j'ai pas consommé beaucoup, mais c'est une habitude à prendre. Et ça évite de repartir avec des vaisseaux qui sont à moitié vides, ou à moitié pleins, comme on dit. Et à partir de ce moment-là, je l'ai réparé, j'ai refait le plein d'hydrogène, j'ai refait le plein de quantum.
J'ai refait le plein de munitions si j'ai attaqué ou si je me suis défendu. Et mon vaisseau est prêt à repartir. Voilà, j'appuie sur F pour ouvrir la trappe. Et je peux descendre de mon vaisseau. Et là, première chose à faire, c'est le ranger. Pour libérer le hangar. Parce que si vous laissez votre vaisseau comme ça, vous pouvez retrouver votre vaisseau en fourrière avec une amende. Donc, la première chose à faire, c'est de le ranger. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous ouvrez votre console et vous appuyez sur ranger. Et il va se store automatiquement. Voilà. Vous pouvez retourner à la station. Vous appuyez sur le niveau principal. Et là, il nous demande de vérifier le journal. Alors, on tourne dans le contrat. Donc, tout ce qu'on nous a demandé, c'est fait. Rangez votre vaisseau. Voilà, c'est validé. Donc là, on a touché 45 000. On a fait nos premiers pas. On a été au Spaceport et on a fait notre premier vol. Le tutoriel est terminé. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, mais c'était mieux de l'expliquer parce que il y a des trucs qui s'enclenchent pas automatiquement. Donc là, moi, ce que je vous conseille, vous faites comme vous le souhaitez. Hein, comme je vous ai dit, votre hangar à New Babbage, c'est votre hangar permanent. C'est là où vous aurez votre décoration. Il est à vous, c'est le vôtre. Moi, ce que je vais faire, c'est que pour redémarrer comme vous, parce que ça, c'est mon compte tutoriel. Hein. J'ai deux comptes, hein, un compte pour jouer et un compte pour faire les tutos. Donc là, j'ai 691 000. Je vais m'enlever 650 000 pour démarrer comme vous à 45 000. Sauf si vous avez pris mon lien de parrainage, vous avez gagné des sous en plus. Normalement, vous aurez plus. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous enregistrer. Donc là, on va commencer déjà par apprendre la mobiglace. Parce que dans la mobiglace, vous avez de quoi naviguer aussi dans les stations ou dans les villes, à l'étage où vous vous trouvez, si vous cherchez un magasin particulier. Donc là, on va chercher l'hôpital. Donc en haut, vous voyez, vous avez les mobiglaces qui s'affichent dans la mini-glace. Là. Donc là, vous faites carte. Là, vous avez accès au niveau où vous vous trouvez. Et vous faites vous dézoomez pas trop parce que sinon vous allez vraiment sortir de la carte. Et là, on va aller à la clinique. Alors là, j'ai mis un marqueur, mais normalement, c'est R. Vous restez là et vous appuyez sur R, définir l'itinéraire. Vous voyez, il vous trace l'itinéraire pour aller à la clinique sans vous perdre. Donc là, c'est un exemple simple. Mais suivant les magasins que vous cherchez dans un étage, vous sortez de la mobiglace, vous regardez sur le plan. Et en haut à gauche, vous voyez, il vous donne la trajectoire à suivre. Pour vous diriger au point que vous avez sélectionné, ce qui vous permet de mieux vous repérer, surtout si vous cherchez un magasin particulier, un magasin d'armes, un magasin d'équipement, n'importe quoi, tout ce que vous souhaitez par rapport au niveau où vous vous trouvez. Alors là, on arrive à l'hôpital de la station. Donc ici, c'est pour demander une chambre si vous êtes blessé. Si vous avez différentes blessures, vous avez des T1, T2, T3. T3, c'est les légères, 2, c'est moyen, et T1, c'est blessure très grave. Et il n'y a que l'hôpital qu'on peut soigner. Donc, vous demandez une chambre, vous allez dans la chambre avec le numéro, vous mettez sur le lit et vous demandez les soins et on vous soigne. Ici, c'est la pharmacie. Vous pouvez acheter des MedPen et des pistolets Tools de soins. Et ici, c'est votre assurance régénération. Donc, moi, je vais m'enregistrer ici parce que si je meurs, au moins, je vais réapparaître ici. Ça m'évite de réapparaître à Microtech, à New Babbage, pour à chaque fois refaire la navette. Parce qu'il y a beaucoup de missions de transport qui partent d'ici. Et donc, c'est beaucoup plus facile de réapparaître ici à chaque fois. Donc là, à chaque fois que je vais mourir, je vais réapparaître ici. À chaque fois que je vais me déconnecter ici, je réapparaîtrai ici. Si je me déconnecte à Microtech, à New Babbage, je réapparaîtrai là où je me suis déconnecté. Donc là, je regarde mon équipement et on va faire une première mission de transport pour valider notre certification de transporteur. Donc là, je regardais parce que on n'a pas de multi-tool. Le multi-tool, c'est le pistolet qui nous permet de soulever les caisses. Donc des caisses de 1 SCU. Alors le SCU, c'est l'unité de capacité. Donc 1 SCU, 2 SCU, 4 SCU, 8 SCU, 16 SCU, 32 SCU. C'est le maximum des caisses. Les caisses de 32, on va en voir de moins en moins. Pour la simple et bonne raison, c'est que maintenant on a des monte-charges et il y a certains endroits, les caisses de 32 ne rentrent pas. Donc d'après ce qu'on sait, ils supprimeraient à la vente les 32 SCU. Voilà, on arrive donc à l'entrepôt. Ici, je vais choisir donc
armes personnelles. Donc moi, j'ai Star Citizen en français. Hein. Et je vais prendre l'outil Multitools. Voilà, 480 AUC. C'est la monnaie locale. Et je vais prendre le module rayon tracteur. 320 AUC. Voilà, déjà on commence à dépenser. Et je vais prendre que ça pour l'instant. Donc là, vous avez multitude de choix. Hein. Ça, c'est tout ce qui est équipement de minage en particulier, tout ce qui est tenue de mineur. Vous avez d'autres magasins avec des armes, des armures et tout ça. Mais ça, pour l'instant, gardez votre équipement de base parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un crash, de mourir. Donc, si vous mourrez, forcément, bah, votre armure est perdue. Sauf si vous retournez sur place pour récupérer sur votre cadavre votre équipement. Donc là, vous avez des points pour ouvrir votre inventaire. Donc là, double clic, paf, le multitool s'est mis à ma jambe. Je recommence, double clic, il s'est mis automatiquement. Et là, le module, pareil, qui va se mettre dans le pistolet. Double clic, hop, il s'est mis dedans. Donc là, mon multitool, il est pareil pour soulever les caisses. Donc ce module, on peut en mettre plusieurs. On a aussi le petit module minage. C'est-à-dire qu'avec le même multitool, avec le module minage, on peut miner des cailloux dans les cavernes, dans les grottes, et ramener des minerais pour les revendre. Donc pendant qu'on y est, on va faire un petit tour à la galerie. Voilà, succinctement, hein, on fera plus en détail après. Voilà, la galerie où vous trouvez donc des magasins. Alors, chaque station est différente. Voilà, vous avez un magasin d'armement pour les vaisseaux. Vous avez des restaurants, vous avez plein de choses. Des magasins de fringues pour acheter des affaires civiles. Et là, vous avez le magasin, donc, armure et armes. Donc, on va y faire un petit tour juste pour regarder comme ça. Hein, vous pouvez acheter des combinaisons, des armures légères, des armures moyennes, de l'armement, vous voyez, différentes armes. Bonjour madame. Voilà, tenue mineure, elle a une tenue, voilà, une armure lourde. Petit exemple. Et tout ça, ça chiffre vite. Donc on va attendre un peu, on va se faire des sous déjà. On va apprendre à voler et on va se prendre une première mission. Donc là, on va se rendre au hangar où on était tout à l'heure. Donc on va redescendre au hangar à la console. Donc hangar et ops. Voilà, on arrive à côté de l'hôpital. Donc là, vous pouvez consulter votre inventaire. Lui, il sort de l'hôpital comme c'est là, c'est qu'il vient de mourir et il part comme un sauvage. Ils savent pas marcher, ils font que courir. Ils sont stressés. Et là, je vais me prendre une mission, contrat. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre... Voilà, elle vient d'apparaître. Les missions de transport, c'est des nouvelles missions. Donc, c'est une opportunité de transport de marchandises. Ça, c'est pour passer votre première certification. D'accord ? Et là, on nous demande de transporter 10 SCU d'ici à Greg Stanton Complexora. Donc on va le prendre parce que c'est en fin de compte c'est une certification, on est obligé de passer par là, c'est la première. Et si on l'a réussi, on aura d'autres missions. Et plus vous allez monter de niveau, je vous ferai voir plus tard, et plus vous aurez des missions gratifiantes et forcément plus il y aura de quantité à transporter. Donc on va redescendre à notre hangar. Donc vous montez dans un ascenseur, normalement vous avez le hangar instancié à votre nom qui apparaît. S'il n'apparaît pas, changez d'ascenseur. Hein, faites-les tous s'il faut, mais à un moment, il y en a un qui va faire voir votre nom. Tiens, c'est marrant parce que là, j'ai retrouvé tous mes vaisseaux. Et voilà, ça c'est Star Citizen, c'est pas grave. Donc les autres vaisseaux, je ne toucherai pas. Je vais garder mon vaisseau du pack de démarrage, hein, parce que moi, j'ai démarré avec un Avenger Titan. Que je vous conseille aussi fortement. Après, vous faites comme vous voulez. C'est un vaisseau qui est bien pratique, qui est bien armé, qui est super rapide et il a de la soute. Donc, idéal pour faire du multi-mission, on va dire. Donc, lui, on peut rentrer soit par le cockpit, soit par l'arrière. Donc, j'ouvre la trappe. Et la mission part d'ici. Donc, on va aller récupérer les colis. Enfin, les colis, les caisses. Donc, vous voyez, récupérer du quartz à Port Wesley, donc on y est. Il y a 10 SCU à livrer au complexe A, G4. Donc ça, les nouveaux, ça c'est tout nouveau, hein. Depuis la 3.24.
les fameux monte charge de fret. Donc là, vous avez un pupitre, vous appuyez sur F. Donc là, le plateau, vous avez vu, il est en haut. Là, la première chose à faire, c'est de descendre le plateau. Vous voyez, la trappe se ferme, le plateau descend. Une fois qu'il est en bas, vous avez votre mission qui vous attend. Donc là, je clique là, c'est, il faut, mais il y est déjà. Et vous transférez donc vos 10 containers à gauche. Vous faites remonter le plateau et tout est là. Et il n'y a plus qu'à charger, d'où l'intérêt d'avoir le multi-tool. Alors le multi-tool, vous restez appuyé sur la touche 1 de votre clavier, au-dessus de Z. Et avec la roue, vous... alors il y a différentes manières, hein. Vous pouvez faire vos touches de raccourci, ça je vous laisserai faire au niveau des options. Mais sinon vous faites 1, vous avez la roue avec tous les équipements que vous possédez sur vous. Et vous pouvez choisir soit un medpen, soit un pistolet de soin, soit une arme, soit un multi-tool. Voilà, vous faites tourner et vous choisissez votre l'outil que vous avez besoin. À partir de ce moment-là, je vise ma caisse, clic gauche, vous avez un rayon qui se fait et vous pouvez même, si vous voulez, faire pivoter votre caisse. Vous restez sur la touche R et avec la molette ou avec la souris, en haut, en bas, à droite, à gauche, vous pouvez faire pivoter votre caisse. Vous voyez, dans tous les sens. Ce qui peut vous aider à la placer ou à la ranger dans des endroits des fois qui sont un petit peu réduits. Voilà, là avec la molette souris, j'allonge mon rayon tracteur. Là, je raccourcis avec la molette souris. Alors, j'y vais doucement parce qu'il ne faut pas décrocher le rayon. Et je rallonge avec la molette souris. Voilà. Rien de compliqué. Voilà, quand le faisceau commence à passer rouge... À un moment ou à un autre, il peut s'éteindre et la caisse bah, se décroche, mais c'est pas grave. Mais bon, voilà, donc je vais tout placer derrière mon vaisseau. Bon, je sais que l'Avenger Titan, il a fait que 8 SCU de capacité. Là, j'en ai 10. Je vais essayer de les rentrer, mais j'y crois pas. Je vais essayer quand même, je suis têtu, moi. Mais ça sent deux allers-retours. Tant qu'on ne pourra pas acheter un plus gros vaisseau, on est obligé de faire avec. Alors... Si vous avez des difficultés, vous avez le lien du Discord hein, en description. N'hésitez pas à venir nous voir. La LVDM, les vues de la manette, c'est pas une corpo, c'est une communauté. On accueille tout le monde, on aide tout le monde. Que vous soyez dans une corpo, que vous soyez en solo. Nous, on est tous des joueurs solo. Tout ce qu'on veut, c'est jouer et se fendre la gueule. Et puis on se passe des bonnes combines entre nous. On s'entraide. Et on se prend pas la tête. Donc si ça vous intéresse, venez nous voir. Donc je vais essayer de rentrer ça. Ouais, ça passera pas. Hein. Ah, c'est pas grave. On va en mettre que 8 et puis on va faire un aller-retour. Donc l'avantage du Titan, c'est qu'on peut rentrer soit par derrière, soit sur le côté ici. Vous voyez, il y a une échelle. Et on peut rentrer par le cockpit directement. Donc je vais tout fermer derrière. Je vais tout remplir. Je vais en mettre que 8, hein, tant pis. Je vais en laisser 2 ici. Donc ça tombe bien comme ça, vous allez voir comment on fait si vous pouvez pas tout rentrer. Donc, vous voyez, il y a des grilles hein, dans les vaisseaux, c'est pour éviter que les caisses se baladent. Il faut faire attention parce que quand une caisse se balade et qu'elle commence à faire des étincelles, ça peut vous faire exploser le vaisseau. Donc le mieux c'est de mettre quand même les caisses dans les grilles. Donc l'espace est réduit quand même. On va essayer de mettre ça jusqu'au bout pour gagner une place. Voilà. Et il y en a deux qui resteront dehors, tant pis. On va les rechercher après. Ces deux-là, je vais les laisser là. Donc, je les remets dans le monte-charge. Hein. Je les laisse pas dans le hangar. Hein. Je vais les ranger. Et je reviendrai les récupérer. De toute façon, c'est pas perdu. Hein. La mission, elle est pas caduque pour autant. Hein. Donc là, je les store. Donc, j'appuie sur F. Je descends mon plateau. Et ça va être entreposé en bas. Voilà. Donc, ils sont là, à droite. C'est bon. Ils sont à l'abri. Là, je vais pouvoir fermer ma trappe. Donc, vous avez un F qui va apparaître. Voilà, hop. Je clique dessus. Et là, je vais passer par le cockpit. Parce que j'ai plus la place de rentrer par derrière. Il est bien pratique ce petit vaisseau pour démarrer. Voilà. J'appuie sur U. Je mets le contact. J'appuie sur I. J'allume le moteur. J'appuie sur Alt N pour demander l'autorisation de décoller. Barre espace, je décolle. J'attends que les verrous s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Et je rentre mon train d'atterrissage en appuyant sur N.
Allez, c'est parti. Microtech en dessous de nous. La ville de New Babbage éclairée, vous la voyez. Et là, je passais en mode Quantum, en mode navigation, en appuyant sur la touche B. Vous avez un repère jaune, c'est la destination. Alors je me dirige, je me rapproche de la planète, Microtech. Je reste appuyé sur le clic gauche, une fois que c'est calibré. Et là, mon repère avec ma destination. J'attends le calibrage. Clic gauche et je contourne dessus. Donc là, vous n'avez rien à faire, ça se fait automatiquement. Le voyage se fait tout seul, vous pouvez sortir le journal et boire le café. Et il va nous emmener à une vingtaine de kilomètres de notre destination. Et en plus, ça tombe bien, il fait beau. C'est magnifique. Donc là, on n'oublie pas, hein, je suis toujours en mode navigation. Hein, c'est-à-dire que j'ai pas de bouclier autour de moi. Donc là, si je me fais attaquer, j'ai rien qui me protège. Hein. Parce que là, nous sommes dans un monde ouvert. Il y a des joueurs, il y a des PNJ et tout. Hein. On peut profiter du paysage. Voilà, on arrive au centre de distribution, notre destination. Pareil qu'une station spatiale. Dès qu'on est assez près, on fera une demande d'autorisation d'atterrir et ils vont nous attribuer un hangar où on pourra se poser et décharger notre marchandise. Donc c'était un grand complexe, hein, c'est nouveau depuis la 3.23. Ça. 2024 est vraiment l'année Star Citizen, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de modifications, plein de bonnes choses qui sont arrivées, avec ces bugs aussi, mais c'est Star Citizen, c'est comme ça, c'est en développement. Voilà, j'ai fait ma demande d'autorisation d'atterrir, j'ai sorti mes trains d'atterrissage en appuyant sur N, je descends, en appuyant sur CTRL, et là je vais me rapprocher du mont de charge, voilà, donc il est à gauche, vous voyez que c'est la petite cabine, je vais essayer de reculer un maximum, donc si vous voyez, vous commencez à perdre le contrôle en vue extérieure, comme je fais là, repassez en vue intérieure, alors vous allez reprendre tout de suite vos repères, là, j'ai mis carrément le vaisseau dans le mont de charge, voilà. Là, c'est un peu mieux. J'éteins mes moteurs en appuyant sur I. J'appuie sur W, je tourne la tête. Et j'appuie sur F pour sortir du vaisseau, pour sortir par le cockpit. Sinon, si je voulais sortir par l'arrière, j'aurais dû rester appuyé sur Y pour faire pivoter mon siège et sortir du siège. Et j'aurais pu sortir par le cargo. Là, j'ai ma rampe qui a pris des dégâts déjà, ça va être les caisses. Hein. Voilà, j'ai plus qu'à tout déposer sur le mont de charge. On va tout descendre. Alors pour ceux qui auraient l'idée d'abandonner la mission, de récupérer les caisses pour essayer de les revendre, hein, ça se fait. Hein. Ces caisses, elles sont attribuées pour les missions, elles ne valent rien. Donc autant les livrer. Parce qu'il y en a qui y ont pensé. Les pirates. Oui, parce que ça, c'est un gameplay aussi, hein, le pirate. Voilà, mon vaisseau, il est vide. Donc là, j'ai bien 8 caisses, hein, la capacité de mon vaisseau, 8 SCU. Voilà, j'en ai 8, je recompte. Je reste appuyé sur R, je rentre mon arme. Donc R pour recharger quand vous êtes en fusil. Hein, et rester appuyé sur R, ça le rentre. Voilà, là, il me dit, est-ce que les caisses correspondent à la mission? Je dis oui. Et il les store. Donc là, j'en ai déjà 8 qui sont ici. J'en ai encore 2 à la station que je vais aller chercher. Ouais, vous voyez, ma rampe, elle a pris des dégâts. Donc, tout ça, c'est des frais qu'il va falloir payer pour réparer son vaisseau. Et donc là, vous voyez, je peux rentrer par le cargo en appuyant sur F, le siège pivote. Il s'assoit et il en met dans le sens de marche. Je rallume mes moteurs. Barre espace pour décoller. N pour entrer mes trains d'atterrissage. Alt N pour demander l'autorisation de décoller. Voilà, donc là, je suis toujours en mode... Enfin, j'ai basculé en mode navigation hein, en restant appuyé sur B. Ça me permet de booster beaucoup plus rapidement ma montée dans l'espace. Donc là, je vais quitter l'atmosphère, comme tout à l'heure, hein, quand on a quitté New Babbage. Et je vais donc appeler ma map en faisant F1 map. Et voilà, il y a Port Eslay, donc New Babbage. Port Eslay, c'est la station. On va cliquer dessus, mais là, comme c'est là, il y a marqué obstrué. C'est parce que je ne suis pas assez haut en altitude pour pouvoir faire une route dessus. Je vais continuer à grimper. Donc là, il y a un point jaune qui s'est affiché, mais ça, c'est la destination. C'est le point de livraison. C'est pas le point de la station. Donc
là, je devrais être assez haut. Normalement, c'est 12 000. Hein. Je suis à 16 000, c'est bon. Hein. Donc là, je fais un zoom avec la molette. Je cherche Port Esley. Il est là. Je clique dessus et je fais R pour définir l'itinéraire. Donc là, vous voyez, il ne me fait pas une forme droite. Il me fait une forme avec deux angles, ici et ici. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des OM. Les OM, ça nous permet de... C'est des points fixes autour de la planète pour contourner la planète. C'est des points imaginaires, enfin pas imaginaires, mais il n'y a rien de physique. Hein, c'est juste un point de quantum. Donc on va aller dessus, sur le premier. Voilà, ça nous écarte de la planète. Et il y en a des fois 6 autour. Et avec ces 6 points de, ces 6 points d'OM, vous pouvez contourner toute la planète. Donc l'OM2, là je passe à l'OM5. On tombe dessus en restant appuyé sur clic gauche. Et là, normalement, il y a Port Esley qui est droit devant nous. Voilà, comme ça, ça m'a permis de contourner la planète simplement. Allez, on se rapproche de Port Esley. Pareil comme tout à l'heure avec le tuto. Hein. On va, donc là, je booste hein, pour accélérer. Alors, n'arrivez pas trop vite hein, parce que si vous tapez la station, vous explosez hein, direct. Donc là, je suis repassé en mode normal. Hein. Mes boucliers se sont réactivés. Hein. Vous le voyez à l'écran en bas à gauche. Pareil, dès que je suis assez près, je vais demander l'autorisation d'atterrir en faisant Alt N. Voilà. Les portes sont ouvertes. Il m'a attribué un hangar. Donc si vous ne voulez pas aller trop vite, vous avez un régulateur. Avec la molette souris, vous avez le carré qui glisse le long de la jauge de vitesse. Et ça vous permet de faire un régulateur de vitesse. Donc là, si vous voyez rien comme ça, là, vous pouvez allumer les lumières, les phares. Hein, vous appuyez sur L, comme light. Et ça vous permet d'éclairer le hangar pour mieux vous présenter. Là, N pour les trains d'atterrissage. Voilà, ça se met à clignoter à gauche. Les trains sont sortis. Et là, pareil que tout à l'heure, je vais faire un demi-tour savant. Oh, touchette. Je vais faire un petit demi-tour avec ma souris. Il y a quelque chose qui a explosé, je sais pas ce que c'est. Hop là, doucement. Voilà, je vais placer le cul vers le mont de charge. J'éteins mes moteurs. Je reste appuyé sur Y. Et voilà, le siège pivote. Et je passe par le cargo. Là, je vais aller chercher les deux caisses qui me manquent. Donc, je redescends le plateau. Et je prends mes deux caisses que je bascule à gauche et je remonte le plateau. Et je vais pouvoir charger et finir ma livraison. Donc déjà avec ce premier épisode, entre le tutoriel et cette première mission, vous avez déjà des bonnes bases. Donc Star Citizen, c'est de l'apprentissage. Hein. C'est avec le temps, au fur et à mesure, que vous allez découvrir plein de petites subtilités. Surtout si vous rentrez dans une communauté ou dans une corpo, vous allez apprendre plein de petites combines. Et après, pour générer des revenus, quand vous commencez, je vous conseille fortement de rentrer dans une corpo ou dans une commu. Star Citizen est appelé à de plus en plus à jouer en multijoueur, en groupe, et non pas en solo. Tout est fait pour que les gameplays soient en groupe. Les vaisseaux, de plus en plus, on va avoir, dans la prochaine mise à jour, on va avoir tout ce qui est ingénierie. Certains vaisseaux donc vont être équipés du poste d'ingénieur, c'est-à-dire qu'il aura accès à tout le système électrique, pièces détachées, enfin système quantum, bouclier, tout ça du vaisseau. Et il y aura lui en charge de réparer ou de dériver des circuits électriques en cas de panne. Du vaisseau, si on se fait tirer dessus, il faudra qu'il y arrive, enfin voilà, ça va être un gameplay à part entière. On va avoir aussi tous les systèmes de détection de feu, des départs de feu, donc il va falloir des gars qui soient habilités ou expérimentés en tenue pour éteindre les départs d'incendie. L'ingénieur, lui, il aura la possibilité de fermer certaines portes coupe-feu, enfin les portes des SAS pour... à contenir le feu, voire même carrément ouvrir les portes extérieures pour étouffer le feu avec en enlevant l'oxygène. Enfin voilà, ça va être un gameplay à part entière, ça va apparaître de plus en plus. Donc le piloter des gros vaisseaux seul, c'est fini. Et donc Star Citizen est appelé à
à jouer en coopération, en groupe. Donc, c'est le conseil que je vous donne, hein, trouver une corpo ou une communauté qui vous accueille et qui vous aidera. En plus, on va avoir de gros vaisseaux qui arrivent là. On a les Zeus, on a le Polaris, tout ça qui va arriver dans les prochains mois. Et ça, c'est le genre de vaisseau où il faudra être à plusieurs. Voilà, tout simplement. Voilà, donc on retourne sur notre deuxième point. On a toujours de la chance, il fait magnifique. Bon, mot. Parce que quand il fait noir sur Star Citizen, il fait vraiment noir. Et pour se repérer, il n'y a que les points de repère et l'ultimate. Et après, vous avez aussi un système de ping que vous pouvez envoyer pour voir le relief. Je vais vous faire voir ça. Magnifique paysage. Je m'en lasse pas, moi. Vous pouvez faire des super screenshots. Vue extérieure avec la touche W, vous pouvez même vous voir à travers le cockpit. Enfin, vous pouvez vous rapprocher. Regardez bien votre altimètre, hein, surtout en bas à droite. Et donc, comme je vous disais, vous pouvez faire un système de ping en appuyant sur Tab. Voilà, vous envoyez une onde et ça vous dessine le relief, surtout de nuit. Donc là, le jour, ça donne pas grand-chose, mais la nuit, ça vous permet de vous voyez au fond là-bas les montagnes et même sur le côté gauche, là, ça vous permet de dessiner le relief et surtout, pas vous taper une montagne en pleine nuit, quoi. Donc là, on va descendre un petit peu en altitude. Donc la végétation commence à apparaître. Et donc là, vous avez donc le fameux régulateur que je vous ai dit tout à l'heure avec la molette souris. Vous pouvez monter ce carré là et c'est votre limitateur de vitesse, on va dire. Et ça vous permet de ne pas arriver comme des balles. Surtout à certains endroits, comme ça vous limite la vitesse. Et vous faites pas de bêtises parce que ça va tellement vite des fois. Un coup d'accélérateur malheureux et ça finit en explosion. Et c'est retour station et on recommence tout. Donc là, demande d'autorisation, toujours pareil. Alt N. La trappe va s'ouvrir. Alors attention, dans le verse, hein, vous n'êtes pas tout seul. Vous pouvez avoir des PNJ, vous pouvez avoir des joueurs. Donc vous voyez le vaisseau qui arrive en haut, là ça tombe bien. Vous voyez, j'en parle. Donc ça, je sais pas ce que c'est, parce que je suis en vue extérieure. Je sais pas si c'est un joueur ou un PNJ, mais je vais pas m'attarder. Parce que s'il veut me tirer dessus... Ah tiens, c'est bizarre. Il y a des soucis là, sur ce serveur là. Ça disparaît, ça réapparaît. Parce que là, s'il décide de me tirer dessus, il peut me détruire. Et pareil, hein, comme je vous ai dit, c'est retour station, on recommence. Hein. Et là, en plus, la mission est perdue parce que les deux containers que j'ai sur moi, ils seront détruits. Et la mission, elle est caduque, elle est bonne à recommencer. Donc je m'attarde pas, je me pose. Et je vais me dépêcher de livrer tout ça. Voilà. I pour éteindre mes moteurs. Y pour sortir du siège. Donc là j'ai de la place, je peux passer par le cargo. On va livrer ces deux dernières caisses. Voilà la dernière. Je vais la descendre. Je vais descendre le plateau. Là, je reste appuyé sur R. Je rentre mon multitool. J'appuie sur F. Je descends le plateau, il va me demander si ça correspond au contrat, je réponds oui. Et là, je vais attendre le message en haut, comme quoi le contrat est bien terminé. Voilà, contrat terminé, opportunité. Donc à partir de ce moment-là, je suis certifié transporteur. Je vais aller dans ma mobile glace. En bas, vous avez réputation. Donc moi, j'en ai des réputations parce que j'ai déjà fait d'autres vidéos, mais... là, dans Covalex, dans Transporteur, ça c'est tout nouveau par contre, vous voyez, voilà, j'ai le stagiaire et je vais passer apprenti. Et au fur et à mesure, on peut faire évoluer notre répute. Donc là, ça c'est la mission que je viens de faire, elle est accomplie. Dans les offres de transport, vous voyez, maintenant j'en ai 9. Voilà, 9 missions. J'ai donc de tout à l'heure de 40 et quelques mille, 43 000, je suis passé à 56 000. Et là, vous avez donc des missions. Alors, pour l'instant, ce sont des missions par rapport à mon niveau, mais au fur et à mesure que j'évolue. Donc, essayez de prendre des missions qui correspondent à la capacité de votre vaisseau. Moi, j'ai un Avenger Titan, il fait 8 SCU. Voilà, ça, c'est le genre de mission qu'il faudrait que je prenne. Récupérer l'aluminium à Port Wesley, la station où on était tout à l'heure, et le livrer à tel endroit pour 13K. Ça fait deux voyages. Pour 13K, donc autant prendre celle du dessus. Ça, 11K, c'est deux voyages aussi, donc c'est pas intéressant. 17 SCU non plus. Là, une 8 SCU de Port Wesley à Stanton, pareil. Ouais, pour 13K. Vous voyez, là, il y a plein de missions que je peux prendre. J'ai 2, ça c'est une 9 SCU, ça fait deux voyages. 13 SCU, c'est pas bon. 8 SCU. Voilà, pour 13K aussi, il y en a 3 déjà. 13 SCU, non. Ça là, 8 SCU, ça fait 4. 4, 4, ça c'est...
en deux voyages, ça pourrait se faire. Là, 8 SCU, là, 8, 3 et 5. C'est du multilivraison, pareil, de porte-clés. Pour 16 SCU. Donc là, 4 missions, 40, 4 fois, ça fait 52 000, plus une 16, 58, 68 000. Voilà, si je prends toutes ces missions-là, je vais passer peut-être mon après-midi à faire ça, hein, mais c'est déjà 68 000 de prix, quoi. Et la réputation augmente. Donc on va tomber après sur d'autres missions plus importantes. Alors aussi, je voulais vous faire voir, si toutefois vous faites détruire, ou cassez votre vaisseau, ici, à cet endroit-là, il y aura marqué réclamer. Donc vous aurez un délai d'attente, mais c'est gratuit, hein. Vous cliquez dessus, voulez-vous le réclamer? Oui. Vous pouvez accélérer le temps de réclamation, mais bon, un petit vaisseau comme ça, c'est 2-3 minutes, hein, d'attente. Donc on peut attendre 2-3 minutes. Et à partir de ce moment-là, toc, il réapparaît dans votre console et vous n'avez plus qu'à le ressortir et repartir avec. Voilà. Donc votre vaisseau, même s'il est scratché, s'il est détruit par un autre joueur ou un PNJ, vous ne perdez rien. Vous ne payez rien, vous avez juste à la réclamer et il revient. Voilà. Et donc, bah, ce que je vous souhaite, c'est de continuer à progresser, continuer à piloter, continuer à naviguer. C'est comme ça que vous allez apprendre Star Citizen. Vous allez découvrir des choses par vous-même. Et après, je vous dis, la porte est ouverte chez nous, hein. Vous avez le lien Discord sur le launcher, hein, vous avez vu. Et vous pouvez venir nous voir, ce sera avec plaisir. On vous aidera, sachant qu'il y a des missions aussi qui rapportent des fois des armures, des choses comme ça. Mais c'est ce genre de mission, les premières missions, vous allez pouvoir les faire seul, mais après, bah, il faudra être en groupe pour pouvoir les réaliser. Donc, bah, n'hésitez pas à venir nous voir, on est là pour ça. On aide tous les nouveaux joueurs, voire même les plus vieux, parce qu'on est vieux nous aussi, les vieux de la manette, à démarrer Star Citizen. Voilà les amis. Moi, je vais retourner sur Port Lesley, je vais me déconnecter là-haut et puis on continuera notre tuto un peu plus tard. Sur ce, je vous dis ciao ciao!